Ils sont nobles, ils sont princes et sont des représentants de la famille Mérode, issue de l'aristocratie belge. Charles-Louis et son épouse, née Clotilde d'Outremont, vivent en Allemagne à Mérode tout en étant belges. C'est ça aussi l'Europe. Oui, et en compagnie de leurs enfants, ils font revivre le château de Mérode, un lieu qu'ils partagent régulièrement avec les habitants du village qui le leur rendent bien. Il faut dire que l'ancestrale demeure a connu de nombreuses vicissitudes ces dernières décennies, comme nous l'explique Gérald Koester. Rhénanie du Nord-Westphalie, au pied de l'Eifel, voici le village et le château de Mérode. C'est là-bas que vit Charles-Louis, prince de Mérode, qui a hérité de la demeure de son grand-père. Alors Mérode est occupée par les Mérodes depuis le début, puisque ce sont eux qui ont construit le château à cet endroit. Et le premier papier d'archives qui parle de la présence de la famille ici date de 1174. On ne peut pas dormir sur le passé. Alors, comme de nombreux châtelains, depuis leur arrivée dans les années 70, les Mérodes ont décidé d'ouvrir le domaine aux autres et en famille. On peut faire pas mal de bien en invitant les uns et les autres. Ça peut être une maison qui vit et qui rayonne. Et puis, c'est intéressant parce que c'est un peu un carrefour entre les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Ici, nous sommes au cœur de l'Euregio, donc cette région qui couvre le Limbourg hollandais, le Limbourg belge, la province de Liège et ici cette partie de la Rhénanie-Westphalie. Eh bien, tâchons de faire un événement eurégional et nous avons créé cette promenade de printemps. La promenade de printemps, c'est plus basé sur le fait de l'exclusivité, de trouver des produits très exclusifs qu'on ne peut pas trouver n'importe où, de promouvoir des talents, de promouvoir des vignobles. Et quand vous dites que vous êtes vraiment spécialisé sur les meubles ou la façon liégeoise? Oui, ouvrir sa maison aux autres et la mettre au service de la commune, de la région, ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup. Mon implication aujourd'hui à Mérode, c'est d'un côté assister mon père un peu dans tout ce qui est la gestion quotidienne un peu du patrimoine, que ce soit le château ou bien les bois, etc. Et puis c'est tout ce qui est l'organisation des événements. Et là, c'est une petite entreprise familiale, si on peut dire, tout le monde a un peu sa tâche. Et moi, dans les enfants, je suis celui qui donc fait la logistique, le suivi, un peu le marketing aussi des différents événements. Si vous allez à Mérode, vous aurez rendez-vous avec un château qui n'a pas été dorloté par les dernières décennies. Ainsi, en novembre 1944... Les Alliés ont contourné le massif de l'Eifel et ont tâché de couper la retraite des Allemands. Et donc, il y a eu des combats très très importants ici dans la région qui ont fait que toute la région a été détruite, y compris le château, malheureusement. Le jour du bombardement, il y avait une centaine de villageois qui se trouvaient dans la cave sous la chapelle. Quand toute la tour s'est effondrée, elle est restée miraculeusement au niveau de la chapelle elle-même. Et donc, toutes les personnes qui étaient dans la cave ont pu rentrer saines et sauves chez elles le soir même. C'est mon grand-père qui, dès 1946, décide de reconstruire le château, trouvant que ce serait dommage que le berceau de la famille devienne une ruine. La reconstruction et la modernisation de Mérode prendront plus de 50 ans. Les travaux touchaient peu à peu à leur fin, quand à la veille du 21e siècle... 18 juin 2000... lors de l'incendie qui a ravagé toutes les toitures du château. Donc le feu a commencé vers 11h du matin et a été éteint en fin d'après-midi. Et donc nous avons perdu 8 charpentes ce jour-là. Et la quantité d'eau qui a servi à éteindre cet incendie était immense puisque les douves qui sont autour du château ont été complètement asséchées. Ce jour-là, j'étais très découragée, je reconnais, parce que comme on avait investi beaucoup d'amour dans le château et qu'on avait restauré ou rendu plus confortable chaque pièce l'une après l'autre, évidemment de voir tout ça partir en fumée,
C'était très décourageant et j'avais l'impression ben voilà, qu'il fallait renoncer à vivre ici et prendre un nouveau tournant. Quand la télévision allemande est venue me demander ce que j'allais faire, je leur ai dit, écoutez, on va voir ce qui va se passer, mais je peux vous assurer une seule chose, je ne veux pas être le dernier Mérode à Mérode. Et donc, si c'est possible, je ferai tout ce qui est en ma possibilité pour le reconstruire. Tous les gens du village qui venaient voir disaient, mais c'est aussi notre château, nous allons vous aider, on ne vous laissera pas. Et alors ça m'a donné beaucoup de courage. Je me suis dit, donc, il n'y a pas que nous. Il faut, si moi, je suis découragée aujourd'hui, eh bien, je dois penser à demain et penser qu'il y a d'autres gens qui y tiennent. Et voilà, alors on s'est lancé dans l'aventure. Et donc, ils sont venus en masse nous aider. Ils ont créé une association pour la reconstruction du château et nous avons des bénévoles qui, depuis l'incendie, sont là tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et d'ailleurs, c'était très frappant parce que je remerciais un des bénévoles sur le lendemain de l'incendie. Il me disait, mais c'est tellement gentil tout ce que vous faites. Je suis extrêmement touché, mais il dit, mais ne me remerciez pas parce qu'en fait, après la guerre, ben, c'est votre grand-père qui a fourni du travail à mon père qui revenait du front. Mais aujourd'hui, je serais bien indélicat si je vous laissais là au milieu de vos cendres. Donc on va aller voir la carte avec les passages. Voilà. Il faut qu'on fasse attention au niveau des raccords, là, que les types de tuyaux soient les mêmes. Mais en tant que fils et architecte, naturellement, moi, je m'occupe plus donc, de la reconstruction de Mérode depuis l'incendie et découvre là un peu l'historique aussi du château et c'est assez passionnant. Donc, et surtout, en tant que professionnel en architecture, ça me permet de voir des choses différentes. On se dit, ah, comme j'aimerais pouvoir avoir plus de poussière et de l'ordre. Et puis, voilà, je me laisse pas me déprimer. Je vois tout ce qui a été fait, l'intérêt que mes enfants y portent, que mon mari y porte, tout ça, ça me donne du courage. Et je me dis, mais oui, continuons, ça vaut la peine.